ce soir. Donc j'ai le plaisir de recevoir Damien Leborgne, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et qui est ici depuis déjà assez longtemps puisqu'il a fait sa thèse à l'Institut ici, à l'Institut à l'IAP, avec sous la direction de Brigitte Roca sur la simulation des spectres de galaxies. Voilà, ce qu'on appelle SED, là on reproduit donc la caractéristique spectrale en recombinant tous les spectres élémentaires de chaque étoile, et puis on essaie de retrouver ce que le spectre d'une galaxie, sachant qu'une galaxie, c'est effectivement la combinaison de milliards d'étoiles de couleurs différentes, plus du gaz, plus de la poussière, mais je ne vais pas couper l'herbe sous le pied à Damien qui va vous parler de tout ça tout à l'heure. Donc sa thèse a porté sur ce problème, qui est un problème extrêmement important, qui est extrêmement utilisé à peu près dans tous les domaines de la physique extragalactique. On a besoin de savoir reproduire donc les observations que l'on fait, en particulier les caractéristiques spectrales des galaxies. Et à l'issue de sa thèse, donc après avoir été faire un stage de, enfin passer quelques années de post-doctoral, il a été nommé maître de conférence à Paris 6. Il continue son travail sur ces problématiques-là, hein, en faisant le lien entre la spectroscopie, les simulations numériques, l'étude des morphologies, des images de galaxies, en particulier en s'appuyant sur des observations. Toujours important que les astronomes ne perdent pas de vue, surtout les théoriciens, ce que les astronomes dans le domaine de l'observation obtiennent. Et son propos aujourd'hui, c'est de reproduire aussi fidèlement que possible les spectres et les images obtenues par Herschel, vous savez, ce satellite qui a fonctionné. En particulier dans l'infrarouge. Voilà, merci Damien d'avoir accepté de clôturer ce cycle par cette conférence. C'est sans doute pas la première fois que vous êtes ici pour un certain nombre d'entre vous, et donc vous avez peut-être déjà entendu des exposés sur les galaxies ici. Aujourd'hui, je vais vous en parler sous un angle un petit peu différent, peut-être, que ce que vous avez eu l'habitude d'entendre, notamment avec ce titre un petit peu provocateur, c'est exprès, c'est « Sociologie des populations de galaxies ». Alors, vous pouvez vous demander pourquoi sociologie. En fait, je ne suis pas du tout sociologue. Hein. Mais justement, la sociologie, c'est parfois perçu par les collègues astrophysiciens ou physiciens comme quelque chose qui n'est pas vraiment une science. J'ai remarqué ça. Donc, je voulais réhabiliter un petit peu cette idée-là, corriger un petit peu cette idée-là. Et vous voyez, par exemple, ici, avec cette magnifique image du télescope prise par le télescope Hubble, de galaxies qui sont en train d'interagir entre elles. C'est le quintet de Stéphane, vous pouvez voir 5 galaxies qui sont en train d'interagir physiquement. Donc vous voyez bien que les galaxies sont des êtres sociaux, et donc on va voir ce qu'on peut dire là-dessus. Donc mon exposé commencera par préciser pourquoi je parle de sociologie, et faire justement un petit parallèle entre l'histoire de la sociologie et de l'astronomie. Ensuite je rentrerai un peu dans le vif du sujet sur la société des galaxies, puisque c'est surtout ça que je connais très bien. Et puis je finirai sur des similitudes entre la sociologie, l'astrophysique, pour conclure. Alors pourquoi parler de sociologie? Il se trouve que mon épouse est sociologue. Alors voilà, donc des fois le soir on a des discussions sur nos sujets d'études, etc. Et on se rend compte qu'on a pas mal de points communs finalement sur les méthodes qu'on utilise pour étudier nos sujets de recherche. En fait, la sociologie et l'astronomie, c'est le même combat, c'est-à-dire que le chercheur essaye d'étudier des populations d'individus, alors d'objets, ça peut être des galaxies, ça peut être des individus, mais c'est un petit peu la même démarche, en fait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois la sociologie n'est pas considérée comme une science dure, mais comme une science humaine, ces deux visions s'opposent un petit peu. En fait, les méthodes sont assez similaires, comme on va le voir. Alors, je vais commencer par l'histoire de l'astrophysique des galaxies. Donc c'est pas exhaustif, bien sûr, c'est un petit aperçu. Il y a une galaxie qu'on voit très bien dans le ciel, qui est la Voie lactée. Mais les hommes n'ont pas toujours été capables de dire que c'était une galaxie. Il n'y a que Galilée, en 1610, qui, avec sa lunette, a pu regarder en détail le ciel en zoomant sur une région du ciel. Il a pu mettre en évidence que cette Voie lactée qu'on voyait dans le ciel était en fait constituée d'étoiles. Donc on pouvait dire que ce qu'il y avait dans le ciel, c'était un ensemble d'étoiles. Ça ne s'appelait pas encore galaxie, parce qu'on ne savait pas que les galaxies existaient. Et d'ailleurs, cette Voie lactée, on ne peut pas vraiment voir la forme, puisqu'on la voit par la tranche, car le Soleil est dans la Voie lactée, donc on ne la voit pas de l'extérieur, malheureusement.
Un peu plus tard, Kant a émis l'idée d'univers Hill, donc c'était vraiment l'idée de galaxie, là, un ensemble d'étoiles. Et à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu des efforts observationnels, notamment par le Charles Messier, qui était un Français, qui a catalogué tout un nombre d'objets nébuleux dans le ciel. Donc il a catalogué 110 objets qu'il a appelés nébuleuses. En fait, 37 de ces objets étaient des galaxies, mais il ne le savait pas encore non plus. Un peu plus tard, au XIXe siècle, ces nébuleuses, on a pu les voir un peu mieux, et on a pu voir qu'il y avait des elliptiques, des formes elliptiques, des formes plus spirales. Donc, sans vraiment savoir encore ce que c'était, on pouvait distinguer différentes sortes de galaxies. Et en 1920, il y a eu un grand débat aux États-Unis entre Curtis et Chapley pour savoir si la galaxie M31, la galaxie d'Andromède, c'est la galaxie la plus proche de la Voie lactée, savoir si c'était en fait cet objet qu'on voyait dans le ciel, qu'on peut voir à l'œil nu, si c'est vraiment une galaxie comme la Voie lactée ou si c'est complètement autre chose, si c'est un objet plus petit, une petite nébuleuse, quelque chose comme ça. Donc il y a eu un débat assez tendu entre ces deux personnes et en fait c'est Curtis qui avait raison, mais voilà. Il y avait beaucoup d'arguments à cette époque-là. Et l'étude des galaxies a pris une dimension vraiment cosmologique en 1927 avec Hubble, qui a observé que les galaxies, qu'on avait vraiment identifiées à ce moment-là comme des objets constitués de plein d'étoiles, les galaxies s'éloignaient d'autant plus rapidement qu'elles étaient loin de nous. Donc il a mesuré l'expansion de l'univers avec la fameuse loi de Hubble. Alors en sociologie aussi, il y a une histoire que je connais beaucoup moins bien, évidemment, mais on peut remonter aussi très très loin dans l'étude des sociétés avec Platon, Aristote, Hérodote, Zoroastre. Et en fait, la sociologie, depuis l'origine, n'a pas été vraiment une science, puisqu'elle était un peu mêlée de littérature. Balzac et Zola, dans leur roman, essayaient de dépeindre la société, mais ce n'était pas vraiment encore une science, en fait. C'est que vers la fin du XIXe siècle que la sociologie est vraiment devenue une science, avec le positivisme, et notamment avec Émile Durkheim ici, et Max Weber, qui ont vraiment jeté les bases d'une sociologie vraiment scientifique, avec des méthodes communes à toutes les sciences, même s'il y avait quand même des tensions avec la psychologie, qui a des méthodes un peu moins robustes, et la philosophie, etc. Mais la sociologie a essayé de se dépatouiller de tout ça. Et alors il y a eu deux approches qui se sont affrontées en sociologie au début du XXe siècle. Le qualitativisme, donc c'était une école de Chicago aux États-Unis, où sous forme, on essayait d'étudier la société en faisant des interviews de gens, en écoutant les histoires de leur vie, en faisant de l'observation participante parfois, on se met dans une entreprise pour étudier comment elle fonctionne, etc. On peut mettre ça en parallèle avec l'étude de galaxies telle qu'elle était faite au début du siècle, par exemple. Par l'étude de galaxies individuelles, on prend un objet, on l'observe, on essaie de comprendre comment il fonctionne. Et puis, un peu plus récemment, il y a eu une approche quantitativiste, où cette fois-ci, on considérait qu'il fallait produire et analyser des données en grande quantité pour expliquer la société de façon vraiment quantitative. Et c'est également ce qu'on fait depuis une bonne vingtaine d'années maintenant pour les galaxies, puisqu'on a accès à des images du ciel très profondes, notamment grâce au télescope Hubble, mais aussi d'autres depuis. Et on peut vraiment faire des statistiques vraiment, vraiment précises. Alors il y a quand même des différences. La place du scientifique n'est pas la même. Pour le sociologue, c'est un individu qui étudie des individus. Alors que pour l'astrophysicien, c'est un individu qui est complètement extérieur à son sujet, qui étudie des galaxies qui ne sont pas du tout à côté d'elle, qui sont très très loin, qui sont difficiles d'accès, donc ce n'est pas tout à fait non plus la même chose. Par contre, on peut faire, pour s'amuser, une petite analogie entre les interactions entre les individus, justement. Alors par exemple, les humains ont la parole pour échanger entre eux. Les galaxies ont la lumière. Bon, elles n'ont pas de parole, évidemment. Ça se saurait. On a par exemple la monnaie pour échanger des biens. Les galaxies n'ont que la matière à échanger entre elles. Nous, on a du pouvoir. La gravité sert de pouvoir pour les galaxies, parce que c'est grâce à la gravité que les galaxies peuvent attirer d'autres galaxies plus petites autour d'elles. On peut voir aussi des similitudes. Bon, par contre, ça peut s'arrêter là, puisque pour, par exemple, les sentiments... pas vraiment, à ma connaissance, d'équivalent chez les galaxies. Mais bon. Voilà, donc je vais terminer ce parallèle en regardant un petit peu de façon encore plus globale, peut-être. Bon, c'est vraiment un essai, là, que je fais. On peut regarder, dans ce premier carré, les sciences humaines. Alors, en allant du plus individuel au plus général dans les sociétés,
On va de la psychologie à l'ethnographie, à la sociologie. La science des végétaux, ça passe aussi par la physique, au niveau microscopique, la biologie moléculaire, jusqu'à la botanique qui s'attache à décrire, à classifier, à décrire les végétaux. Et l'astrophysique, on peut voir aussi un petit peu la même démarche. Il y a de la physique des plasmas, de la physique vraiment au niveau microscopique, la physique stellaire à l'échelle d'une étoile, la physique à l'échelle des galaxies, et puis l'évolution des galaxies, la toile cosmique à encore plus grande échelle. Et les trois ronds rouges que j'ai entourés ont un petit peu les mêmes démarches, puisqu'il s'agit de décrire ce qu'on voit, de classifier, de décrire une évolution et de modéliser. Voilà, donc c'était un peu pour faire le parallèle. Alors, je vais maintenant un petit peu rentrer dans le vif du sujet sur la société des galaxies. Alors, il y a évidemment beaucoup de grandes questions qui se posent toujours aujourd'hui sur les galaxies. On est capable de les observer de mieux en mieux, mais il y a encore beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'une galaxie ? Alors, je vais commencer par décrire un petit peu ce qu'est une galaxie pour ceux qui ne savent pas. Comment se forment les galaxies ? Encore une grande question pour laquelle on n'a pas de réponse définitive. Pourquoi on voit des galaxies si différentes les unes des autres ? Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a des rouges, il y en a des bleus. Il y a plein de différences qu'on ne sait pas toujours bien expliquer. Et une question attachée à ça, c'est quelle est l'histoire des galaxies ? Comment est-ce qu'elles ont évolué ? Pourquoi est-ce que les galaxies qu'on voit autour de nous ont la forme et la couleur qu'elles ont ? Donc il y a plusieurs scénarios qui sont imaginés, qui sont de façon régulière confrontés à des observations. Alors il y a des grandes idées, par exemple, est-ce que les galaxies se formeraient de façon isolée dans l'univers, indépendamment les unes des autres ? Ou est-ce qu'elles se formeraient en fusionnant les unes avec les autres de façon tout à fait normale ? Est-ce que toutes les galaxies qu'on voit autour de nous se seraient formées par fusion de petites galaxies ? C'est une question pour laquelle il y a encore beaucoup de débats aujourd'hui, en fait. Alors, une galaxie, donc celle qu'on connaît paradoxalement pas la mieux, mais qui est la plus proche de nous, c'est la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, c'est la galaxie qui contient le Soleil, et donc qui contient aussi la Terre, évidemment. Donc ça, c'est une image, c'est pas une photo, vous en doutez, parce qu'on n'a pas envoyé une fusée pour aller photographier la Voie lactée qui est immense. Il faudrait des centaines de millions d'années pour pouvoir faire ça. C'est une image d'artiste, donc c'est pas la vraie Voie lactée, mais c'est une image. Le Soleil, le système solaire est ici, dans un des bras spiraux de cette galaxie. Donc la première chose qu'on voit, c'est que c'est une galaxie qui est de forme spirale. Ce qu'on ne voit pas sur cette photo, c'est que c'est vraiment un disque. Ici, c'est vu de dessus, mais si on regardait par la tranche, ce serait un disque très très fin, un peu comme une assiette, comme une crêpe. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un centre, il y a des bras, il y a des étoiles, il y a des petits points qu'on voit ici, il y a des amas globulaires, des amas d'étoiles, et il y a du gaz qui est éclairé par les étoiles, qu'on ne voit pas très bien parce que c'est pas assez zoomé, on va dire, mais qui est partout, qui est dans lequel baignent les étoiles, en fait. Voilà. Alors, et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est très grand, c'est l'échelle ici, c'est 100 000 années-lumière. D'accord ? Ça veut dire que la lumière, pour passer d'un côté à l'autre, met 100 000 ans à la vitesse à laquelle elle voyage, qui est extrêmement rapide. Alors ça, c'était la Voie lactée, mais dans le ciel, évidemment, on peut voir, avec un télescope même modeste, Charles Messier l'a fait il y a 300 ans, on peut voir plein d'autres galaxies, et notamment des galaxies de toute taille et de toute forme, et de toutes les couleurs aussi. Donc si ça, c'est un petit panorama de galaxies qu'on voit dans le ciel, que vous pouvez voir sur votre navigateur sur Internet, si vous allez sur Google Sky, par exemple, vous pouvez voir en vous promenant plusieurs galaxies qui ressemblent à ça. Donc on voit des galaxies qui sont très diffuses en apparence, qu'on appelle des galaxies elliptiques, qui sont vraiment de forme très sphéroïdale, elliptique. Et puis on voit des galaxies plus spirales, qui ressemblent plus à la Voie lactée, en fait. On voit aussi des galaxies très irrégulières, qui n'ont pas vraiment de forme propre. Et on voit aussi des elliptiques qui sont toutes petites. En général, les elliptiques sont très très grandes, mais on voit aussi beaucoup de toutes petites elliptiques. Donc on voit une diversité de galaxies, et le but de l'astrophysicien est d'expliquer pourquoi il y a tout ça et comment c'est arrivé là. Alors justement, Hubble, le même Hubble que tout à l'heure, a commencé à faire une classification des galaxies, un petit peu à la façon d'un botaniste,
Il a essayé de mettre toutes ces formes de galaxies dans un même diagramme, qu'on appelle le diagramme de Hubble, où il a essayé de dessiner une suite logique à la forme des galaxies. Alors il a mis les elliptiques de ce côté-là, et puis au fur et à mesure que les galaxies sont de plus en plus étalées, de plus en plus plates, et de plus en plus sous forme de disques, il les a mises les unes à la suite des autres, comme ça. Et puis il y a une deuxième branche, parce que les galaxies spirales, parfois, ont au milieu une barre, au milieu, on ne sait pas très bien pourquoi encore aujourd'hui, mais à cause d'effets dynamiques, ont une barre. Donc il a essayé de classifier comme ça un petit peu à la main, sans vraiment pouvoir donner d'explication vraiment. Et ce qu'on est tenté de faire, c'est de dire il doit y avoir une séquence d'évolution, peut-être que cette galaxie-là devient comme ça à la fin, ou peut-être que celle-là devient comme ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout sûr. On ne sait pas. Alors, si je rentre un petit peu plus dans le détail de ce qu'est une galaxie, évidemment, il y a le Soleil et il y a à peu près 100 milliards d'étoiles dans une galaxie comme la Voie lactée. Alors, les étoiles, c'est un des ingrédients majeurs des galaxies. Ce qu'il faut retenir des étoiles, qui constituent une grande partie des galaxies, c'est que les étoiles qui sont bleues, qui sont les plus bleues, sont aussi les plus chaudes. Ça, c'est universel. Et les étoiles qui sont les plus rouges sont les plus froides. Et il se trouve aussi que celles qui sont les plus chaudes sont aussi en général jeunes, puisque ces étoiles chaudes, elles vont brûler leur carburant très vite. Donc si on les voit aujourd'hui, si on les voit bleues, si elles existent, c'est qu'elles sont jeunes, puisque si on attend trop longtemps, elles vont mourir, on ne les verra plus. Donc les étoiles bleues qu'on voit dans ces bras spiraux, par exemple, ce sont des étoiles qui sont nées il n'y a pas très longtemps. Alors que les étoiles rouges sont des étoiles qui sont beaucoup plus vieilles. Il y a aussi du gaz dans ces galaxies, et c'est d'ailleurs à partir du gaz que se forment les étoiles. C'est les nuages de gaz, en s'effondrant sur eux-mêmes, qui forment des étoiles. Et on peut voir ces nuages de formation d'étoiles ici, comme des zones rouges. Alors c'est rouge ici parce qu'il y a de la poussière, en l'occurrence, et c'est aussi la colorisation de l'image. Ce ne sont pas des étoiles rouges. En fait, il y a des petites étoiles bleues au milieu, mais l'image ici est rouge pour montrer les cocons de formation d'étoiles. Alors ici, ce sont des galaxies spirales. Il y a une galaxie elliptique ici. Et dans les galaxies, il y a également, donc je l'ai dit, des étoiles, du gaz, mais de la poussière. La poussière, c'est des grains. Ça se présente sous forme de grains qui sont beaucoup plus gros que des atomes et qui sont issus de la mort des étoiles, en fait. Et cette poussière se répartit dans les galaxies de façon pas homogène, en général. On peut voir ici, par exemple, la galaxie du Sombrero, qui est une galaxie très connue, qui présente une bande de poussière dans la tranche du disque, qu'on voit très bien ici, en contraste avec le bulbe qui est derrière. Derrière, il y a vraiment un gros bulbe d'étoiles. On peut voir également, donc ça c'est une image qu'on peut voir avec les yeux pratiquement, on peut faire une photo. Cette image en dessous, c'est la même image, mais vue en infrarouge. C'est-à-dire, c'est une couleur spéciale qu'on ne voit pas avec les yeux, qui est plus froide, entre guillemets, que ce qu'on peut voir avec les yeux. On ne voit pas la même chose, parce que la lumière infrarouge n'est pas gênée de la même façon par la matière que la lumière visible. Donc on voit en particulier ici un anneau de poussière, on voit cet anneau en entier, tout autour de la galaxie, alors qu'ici il est masqué par les étoiles d'avant-plan. On voit également la poussière ici, et ici dans une galaxie qu'on appelle lenticulaire, vue par la tranche dans le disque. Alors, vous savez sans doute aussi qu'il existe de la matière noire, probablement, on ne l'a pas encore détectée, mais tout porte à croire qu'il y a de la matière noire dans l'univers, et en particulier autour des galaxies sous forme de halo. Alors ici, c'est un film, c'est encore une fois une illustration, hein, c'est pas une vraie galaxie. C'est une galaxie comme la Voie lactée, par exemple, autour de laquelle il y a un halo de matière noire, alors qui ici n'est pas en noir, parce que sinon on ne verra rien, mais qui représente un petit peu un grand nuage autour de la galaxie, qui a une masse beaucoup plus grande que la galaxie. Alors comment on sait que cette matière noire existe? Eh bien en fait, depuis longtemps, on se pose la question de savoir pourquoi, si on regarde une galaxie spirale qui tourne autour de son centre,
et qu'on regarde la vitesse de rotation en fonction de la distance du centre, si on mesure ça, ce qu'on mesure, c'est la courbe ici qui est en trait plein. Et ce à quoi on s'attendrait s'il n'y avait pas de matière noire, s'il n'y avait que des étoiles et du gaz, ce serait la courbe en trait pointillé. Donc l'écart entre ces deux courbes montre qu'il y a une matière qui manque dans les galaxies, qu'on ne voit pas, qui n'est pas sous forme d'étoiles ni de gaz, et qui donc, on peut l'appeler la matière noire, et ça constitue 80% de la matière de l'univers, a priori. On peut le voir aussi sous forme de lentilles gravitationnelles, je ne rentre pas dans le détail, mais c'était des effets prédits par Einstein, qui montrent aussi la présence de matière noire dans l'univers. Et puis, bien sûr, dans les galaxies, il y a des trous noirs supermassifs au centre de beaucoup de galaxies, donc j'en parlerai pas non plus aujourd'hui, on ne peut pas tout faire, mais c'est aussi un sujet intéressant. Alors, un fait observationnel important, c'est qu'il y a deux, ce qu'on a vu depuis une dizaine, une quinzaine d'années, c'est que, en gros, il y a deux populations de galaxies dans l'univers, autour de nous. Il y a des galaxies bleues et des galaxies rouges. Alors évidemment, il y a toute une continuité de couleurs entre ces deux groupes de galaxies, mais vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux groupes de galaxies, ici on voit des contours, c'est vraiment deux paquets de galaxies différentes. Alors ce que ça représente, ce diagramme, c'est une couleur, U-R, ça veut dire c'est une couleur. Bon, c'est... Alors, pour illustrer, la couleur ici est représentée à droite, c'est peut-être plus parlant. Donc ce qui est en haut est rouge, et ce qui est en bas est bleu. Et dans l'axe des abscisses, ici, c'est la masse de la galaxie. Donc ce qu'on voit, c'est que les galaxies autour de nous, soit sont très massives, sont de ce côté-là, et rouges, c'est souvent des elliptiques, soit sont beaucoup plus bleues et beaucoup moins massives, et dans ce cas-là, c'est 9 fois sur 10 des galaxies spirales. Alors encore une fois, il y a une continuité entre les deux qui peut s'expliquer par diverses théories, donc le débat n'est pas encore tranché, mais justement, un des jeux des astrophysiciens est de comprendre pourquoi il y a une continuité et est-ce qu'on peut passer ou non d'un côté à l'autre de cette bimodalité, on appelle ça une bimodalité. Alors, dernier point sur la vie des galaxies, c'est que tout ça, tout ce que je vous ai raconté, c'est les galaxies qui sont proches de nous. Maintenant, on peut s'intéresser, puisqu'on s'intéresse à l'histoire des galaxies, on peut essayer de voir à quoi ressemblaient les galaxies dans le passé. Alors, et je trouve que c'est possible. On n'a pas de film de l'époque, mais on a une chance qui est que la lumière met un temps fini à voyager. Elle n'a pas une vitesse de déplacement infinie. Une vitesse rapide, mais pas infinie. Donc, si on regarde très très loin, dans des images, si on regarde le ciel très loin, on voit des galaxies telles qu'elles étaient il y a très longtemps, puisque la lumière a mis un certain temps pour venir jusqu'à nous. Donc c'est ce qu'on fait maintenant très couramment, depuis une vingtaine d'années. On prend des images du ciel, une photo, et certaines de ces galaxies, que vous avez pu les voir dans le couloir, certaines de ces galaxies sont en fait des galaxies très lointaines, qui n'existent plus sous cette forme-là aujourd'hui, mais on les voit telles qu'elles étaient il y a plusieurs milliards d'années. Donc ça, c'est pratique pour essayer d'avoir une image de l'univers dans le passé. Alors ici, vous retrouvez dans cette image-là la séquence de Hubble avec les elliptiques, les spirales. Ce sont des galaxies qui sont autour de nous aujourd'hui, qui sont proches. Donc on est à peu près sûr qu'elles sont toujours dans cet état-là. C'est aujourd'hui. Et si on remonte, si on regarde un petit peu plus loin, on voit par exemple les galaxies telles qu'elles étaient il y a 4 milliards d'années. Donc c'est des vraies photos, ça, c'est des vraies galaxies, de galaxies telles qu'elles étaient il y a 4 milliards d'années. Alors on peut les mettre dans des cases, comme on l'a fait pour les galaxies proches. Et on peut voir qu'effectivement, il y a 4 milliards d'années, il y avait déjà des spirales un petit peu, il y avait déjà des elliptiques. Et on peut même remonter jusqu'à 11 milliards d'années. Alors là, ça devient un petit peu difficile parce que c'est vraiment loin, c'est des toutes petites galaxies, elles sont très très loin. Mais on peut également voir quelques structures et de forme elliptique et de forme spirale. Donc, ça, c'est des photos des instantanées à différentes époques, mais ça ne nous dit pas non plus exactement comment évoluent les galaxies. On ne sait pas à quelle galaxie correspond quelle case, à quelle époque. C'est-à-dire, on n'a pas une correspondance directe entre cette galaxie-là à cette époque-là et cette galaxie-là à cette époque-là. Ça peut changer de case. Alors, donc, l'approche, pourquoi je parlais de sociologie des galaxies, parce que
ce à quoi on a affaire en général, c'est une image du ciel profond, une image avec beaucoup, beaucoup de galaxies. Et ces galaxies sont souvent en interaction entre elles. Alors ici, vous voyez une image prise avec le télescope Canada-France-Hawaï qui est installé au Mauna Kea à Hawaï. Et on voit en avant-plan des galaxies proches de nous et en arrière-plan des galaxies qui sont en grande majorité très loin et donc on voit telles qu'elles étaient dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines galaxies ici qui sont proches de nous, qui sont toutes petites. Hein. Il peut y avoir des tout petits objets qui sont quand même proches de nous. C'est un petit peu là la difficulté. Alors, ces relevés profonds apportent des nouvelles questions. Alors, justement, quelle est l'influence des galaxies les unes sur les autres? Est-ce que les collisions entre galaxies sont fréquentes? À quelle époque est-ce qu'elles sont fréquentes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a plus beaucoup? Etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer les répartitions des galaxies de toute taille? Pourquoi il y a beaucoup de galaxies toutes petites et pas beaucoup de galaxies énormes aujourd'hui? Et surtout, la grande question qui reste encore à élucider aujourd'hui, c'est faire le lien entre les galaxies lointaines et les galaxies proches. Retracer l'histoire des galaxies, en fait. Alors pour ça, il y a deux approches, de façon un peu caricaturale, mais c'est pas loin de la vérité, je pense. Deux approches pour répondre à toutes ces questions. Il y a une approche un petit peu directe, qui est un peu ambitieuse, et courageuse, on peut le dire, qui est de réaliser une simulation numérique. On prend un ordinateur, on met des lois physiques à l'intérieur, et on laisse évoluer une boîte d'univers. On laisse les galaxies fusionner à l'intérieur de cette simulation, donc c'est des fausses galaxies, mais on les crée dans un programme. Et on espère qu'au bout d'un certain temps, on aura recréé effectivement ce qui s'est vraiment passé dans l'univers. Alors on ne le fait pas au hasard, hein, on a des bonnes raisons de mettre des ingrédients physiques qui vont bien pour que ça marche bien à la fin. Mais l'idée, c'est qu'on fait cette simulation. Ensuite, on met de la lumière à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on doit dire que telle galaxie qui s'est créée à ce moment-là rayonne tant de luminosité dans telle longueur d'onde. Il y a quand même des modèles physiques derrière qui sont nécessaires. Et on peut produire des observations virtuelles. Alors c'est bien beau, mais les observations virtuelles, il faut quand même les comparer à des vraies observations pour voir si le modèle est juste ou non. Souvent, c'est pas exactement parfait, c'est pas exactement la même chose. Et de ces différences, donc, on peut apprendre des choses et modifier le modèle en amont. Alors ça, c'est courageux, pourquoi? Parce que c'est très lourd à faire. C'est des grosses simulations qui prennent beaucoup, beaucoup de temps de calcul et qui ne sont pas faciles techniquement à réaliser. Il y a une autre approche qui est empirique, qui est plus ancienne, on va dire, qui consiste à prendre une image du ciel profond, on part d'une image cette fois-ci, on fait un traitement statistique des données qu'on observe, et on essaye de modéliser ce qu'on observe par quelques paramètres ou par des lois physiques qui permettent d'expliquer ces observations statistiques ici. Donc ce n'est pas exactement la même démarche. La deuxième démarche est sans doute plus proche de la sociologie, pour parler de ce que j'ai dit tout à l'heure, que la première approche, où je vois mal comment on pourrait simuler une société d'humains. Ça ne doit pas être facile. Remarquez, il y a des jeux qui s'en rapprochent, mais bon, c'est un autre débat. Donc, sur les simulations, il y a quand même un des gros avantages, c'est que ça fait des jolies images aussi, les simulations. Donc ici, vous voyez par exemple un film qui met en jeu deux galaxies spirales qui vont fusionner entre elles. Donc on les crée de toutes pièces et on les projette l'une sur l'autre. Et on regarde ce qui se passe. Et en tournant le film un peu dans tous les sens au fur et à mesure de l'évolution de cette fusion, on peut comparer cette simulation à des vraies observations. Alors, de temps en temps, il y a une pause, il y a une image, ça c'est une vraie image, prise dans le ciel par le télescope Hubble, je crois, de deux galaxies qui sont en train de fusionner. Donc en faisant ce petit jeu-là de simulation numérique, on peut reproduire des vraies observations de fusion de galaxies, et donc se convaincre que les ingrédients qu'on a mis dans le modèle de la simulation numérique sont vraisemblables, et que donc c'est la vérité. Alors sur des galaxies isolées, comme ça, on arrive assez bien à reproduire effectivement des images observées,
C'est d'ailleurs assez impressionnant, je trouve, qu'une seule simulation permette, comme ça, juste en la faisant tourner, de reproduire autant d'observations. Ça, c'est également une observation. Voilà. Alors, donc ça, c'est, comme je vous le disais, c'est la fusion de deux galaxies. Maintenant, dans l'univers, il n'y a pas que deux galaxies, évidemment, il y en a des dizaines de millions, de milliards même. Donc, ce qui est encore plus ambitieux, c'est de faire une simulation avec beaucoup, beaucoup de galaxies. Alors, pour ça, je suis obligé de faire un petit résumé rapide, hein, très rapide, de l'histoire de l'univers, parce que ce n'est pas mon propos ici. Mais, en gros, il y a 13 milliards d'années, il y a 14 milliards d'années presque, il y a eu le Big Bang, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais bon, il y a eu un événement. Et puis, quelques centaines de milliers d'années après, il y a eu le rayonnement, le premier rayonnement qui nous parvient jusqu'à nous aujourd'hui, qui s'appelle le rayonnement de fond cosmologique. Donc ce rayonnement de fond cosmologique, vous en connaissez peut-être une image qui a été prise par le satellite Planck, il n'y a pas très longtemps, qui montre ce rayonnement de fond qui a été émis il y a 13,7 milliards d'années, qui montre que l'univers était pratiquement homogène à cette époque-là. Il y a des petites fluctuations de température, mais c'était presque une soupe homogène. Et depuis cet âge-là, depuis cette époque-là, des étoiles ont commencé à se former, des galaxies ont commencé à se former, on ne sait pas encore très bien comment, et jusqu'à aujourd'hui, où l'univers, on sait qu'il est en expansion et que les galaxies vivent dans cet univers aujourd'hui. Donc, un des jeux des simulateurs numériciens, c'est de partir de ce genre d'univers où l'univers est presque homogène avec des toutes petites fluctuations de densité de matière, il y a des petits grumeaux par-ci par-là, et on fait évoluer tout ça avec seulement la gravitation, en fait, au début. Et les grumeaux s'effondrent les uns sur les autres, juste par l'attraction gravitationnelle. Et ça forme ce genre de structure à très très grande échelle. Donc là, c'est 150 millions d'années-lumière. C'est vraiment, c'est à peu près, je ne dis pas de bêtises, 100 fois plus grand que cette boîte-là. Elle est 100 fois plus grande que la distance qui nous sépare de la galaxie d'Andromède, par exemple. Donc c'est vraiment des distances gigantesques. Et on voit, donc avec ce film, qui retrace les 5 premiers milliards d'années de l'univers à peu près, qui a été réalisé ici à l'IAP, qu'il y a des grandes structures qui commencent à se former, des filaments, au sein desquels se forment les galaxies. Alors on peut voir aussi une autre image de cette simulation, où chaque petit point là, que vous voyez, c'est une galaxie, qui contient des centaines de milliards d'étoiles. Alors, il y a un code de couleur qui est un petit peu bizarre. Donc, en rouge, ce que vous voyez rouge, c'est de la matière noire, en fait. Ce qui est vert, c'est du gaz. Vous en voyez ici un petit peu. Et ce qui est bleu, c'est la température. Donc, plus c'est chaud, plus il y a de bleu, en fait. C'est ça l'idée. Voilà, donc, c'est une représentation de cette simulation. Ça, c'est une autre vue de cette simulation qui s'appelle Mare Nostrum, donc, qui a été réalisée sur des calculateurs en Espagne et qui a été traitée ici à l'IAP en partie. Donc ça, c'est quelques petits morceaux de cette boîte de simulation où on voit ici la matière noire qui forme, alors ça c'était avant, la matière noire qui forme des grumeaux de plus en plus gros. Ici, c'est la température du gaz qu'on voit sous forme de code couleur. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc on voit que les galaxies en fusionnant, donc tous les petits points, c'est les galaxies en fusionnant chauffent le milieu intergalactique. Voilà. Et là, c'est la densité de gaz, donc c'est vraiment le gaz qui est dans les galaxies. Et on voit, alors là, sur l'écran, c'est pas très visible, mais on voit des petites galaxies ici qui fusionnent pour former des plus grosses. Alors, ces simulations, c'est très joli à voir. Donc, comme je l'ai dit, c'est très cher en temps de calcul, donc c'est très courageux. Ça marche pas toujours parfaitement, mais c'est le jeu. Alors, par exemple, ici, quand même, c'est une simulation qui a été faite en Allemagne il n'y a pas très longtemps. Qui montre une comparaison d'une photo du ciel prise par le télescope Hubble, à gauche, et dans la partie droite de l'image, ils ont collé les deux exprès, hein, dans la partie droite de l'image, c'est une simulation. Alors, chaque petit point, c'est une galaxie, hein, comme tout à l'heure. Il y a des galaxies d'avant-plan, ici. Ici, ici. Il y a des petites galaxies d'arrière-plan. Bon, ça ressemble pas mal, faut dire. C'est pas si mal. Il y a quand même, on peut voir que ce n'est pas exactement la même image, même en termes de densité d'objets, de taille de galaxies, etc.
même à l'œil nu, on peut voir une petite différence. Donc, mais quand même, l'effort est assez remarquable. Donc, comme je disais, ces simulations sont un petit peu parfois... alors, le problème qu'elles ont principalement, c'est qu'elles forment souvent trop d'étoiles rapidement au début de l'univers, et que c'est assez difficile de régler la façon dont se forment les étoiles, parce qu'il y a quand même des modèles dans ces simulations, et en particulier, la formation d'étoiles dans les galaxies est en partie freinée par les explosions d'étoiles. Ça empêche la formation d'étoiles. Les supernovae, qui sont des étoiles qui sont en train de mourir, parfois explosent dans les galaxies, et ça perturbe la formation d'étoiles. On ne sait pas très bien à quel point. Il y a aussi les trous noirs supermassifs qui émettent des jets, parfois des jets de matière et de rayonnement, qui peuvent aussi perturber la formation d'étoiles, des vents, des étoiles, etc. Donc il y a pas mal d'ingrédients qui ne sont pas encore très bien connus. Et quantitativement, on a encore du mal à reproduire, par exemple, la bimodalité des galaxies que je vous montrais tout à l'heure, et aussi la formation des galaxies sphéroïdales à grand redshift. Bon. La deuxième approche, donc, si je reviens à mon histoire d'approche, deuxième approche empirique, c'est de partir d'images du ciel profond et de faire un traitement statistique. Donc c'est de ça dont je vais vous parler un petit peu maintenant. Et idéalement, ensuite, une fois qu'on a bien fait ce travail, qu'on a une bonne description des observations, des images, un bon résumé, entre guillemets, des images, parce que ça revient à faire un résumé de l'image de façon mettre des chiffres, en fait. Une fois qu'on a ça, on peut essayer de faire un modèle expliquant ces chiffres, ces statistiques. Et dans cette partie-là, évidemment, c'est pas encore, on n'a pas encore toutes les réponses qu'on attend, donc voilà, c'est encore des travaux en cours. Alors, les grandes questions quand même qu'on se pose, c'est justement comment est-ce qu'on peut bien décrire l'évolution de l'univers, et en particulier, quelle est l'histoire de la formation d'étoiles dans l'univers? À quel moment les étoiles dans l'univers se sont formées le plus rapidement? Est-ce que c'était très tôt après le Big Bang, très peu de temps après le Big Bang, ou est-ce que c'est aujourd'hui qu'il y a le plus d'étoiles qui se forment? Ça, c'est une des questions qu'il est important de connaître pour pouvoir faire des modèles de galaxies, d'évolution de galaxies. Alors, comme je le soulignais tout à l'heure, le problème, c'est que on a des observations de galaxies à différentes époques, mais on ne sait pas très bien comment relier ces galaxies entre elles, parce que c'est jamais la même galaxie, en fait. C'est ça le problème. Donc, on ne sait pas très bien comment une galaxie va évoluer. On sait que, globalement, statistiquement, cette population de galaxies-là qu'on voit à très grand décalage spectral, à très grande distance, va évoluer pour donner la population de galaxies qu'on voit aujourd'hui. Mais individuellement, galaxie par galaxie, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Donc c'est vraiment une description statistique qu'on essaie de faire. C'est à quelle époque se sont formées les galaxies dans l'univers en moyenne. Et pour essayer de faire bien les choses, on essaie de subdiviser les galaxies en petits paquets, en les triant par luminosité. Alors ça dépend de la couleur, après qu'on considère, est-ce qu'on prend les rouges, les bleus, etc. Donc du filtre qu'on met pour faire ces paquets de luminosité. De masse. Est-ce qu'on prend les petites galaxies, les grandes galaxies? Quelle est la différence entre les deux? Donc on les subdivise en couleurs et en morphologie éventuellement aussi. Donc tout ça, c'est un travail pas si facile que ça à faire. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que après, ce qu'on cherche à faire, c'est un modèle de galaxie, un modèle d'évolution. Et quand je vous montrais ce diagramme-là tout à l'heure, je vous disais justement, faut pas forcément se fier aux apparences. Ici, c'est aujourd'hui une galaxie spirale ici, une galaxie elliptique ici, qui sont observées aujourd'hui. Si on remonte à 11 milliards d'années en avant, il y avait des galaxies spirales et il y avait aussi des galaxies elliptiques. Mais probablement qu'une grande partie des galaxies elliptiques qu'on voit aujourd'hui ici viennent de la fusion de galaxies spirales qui sont là. Donc ces galaxies spirales sont devenues des galaxies elliptiques peut-être. Donc faire des boîtes c'est bien et diviser les galaxies c'est bien, mais il manque ici un modèle vraiment qui permet de rendre compte du trajet des galaxies d'une boîte à l'autre en fait. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé d'illustrer avec ce petit jeu là qu'on peut voir. Donc c'est les points à relier, je ne sais pas si vous connaissez. Donc bon, l'idée c'est de refaire le dessin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on sait lire et qu'on voit qu'il y a des lettres A, B, C, D, E, on fait ça, on est bien, on est content. Si on ne sait pas lire, qu'on ne voit pas les lettres, on peut imaginer autre chose, on peut imaginer ça. Alors, qu'est-ce qui nous dit que ça, c'est plus juste que ça? C'est le modèle qu'on a dans notre tête de ce que c'est que la Lune. Si on n'avait pas de modèle de Lune dans notre tête, on ne pourrait pas juger du fait que ça, c'est mieux que ça. Donc, malgré tout, pour jouer à ce jeu de différencier ça, il faut un modèle.
Alors, je vais encore vous montrer un petit film sympathique, je pense. Donc, pour faire ce recensement des galaxies à toutes les époques, il y a plusieurs façons de faire. La première, qui est la plus coûteuse, on va dire, c'est d'aller voir sur place, c'est de prendre une image du ciel, comme l'a fait le télescope Hubble, et de regarder chaque galaxie, et pour chaque galaxie, de déterminer sa distance. Ça, c'est pas facile à faire. C'est pas facile, et ça coûte cher en temps de télescope. Alors, si on arrive à faire ça, donc la distance, ça se mesure en années-lumière, hein, ou en... Bon, il y a d'autres unités, mais par exemple, le Soleil, c'est à 8 minutes-lumière, Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du Soleil, c'est 4 années-lumière, la galaxie d'Andromède, la plus proche de la Voie lactée, c'est 2 millions d'années-lumière, les confins de l'univers visible, c'est 13 milliards d'années-lumière. Alors, c'est pas facile de mesurer les distances des galaxies dans tout cet intervalle-là, en fait. Et donc, il y a le problème de la mesure, et puis de comment construire les échantillons. Alors, plutôt que vous parler de tout ça, je vais vous montrer donc une image d'un champ pris par le télescope Hubble il y a 10 ans, qui s'appelle le champ ultra profond, ultra deep field, qui a nécessité 12 jours de... C'est une pose de 12 jours, c'est une photo qui a pris 12 jours à être prise, quoi, en fait. Donc c'est très long. D'une petite région du ciel, c'est pas plus grand qu'une tête d'épingle à bout de bras, en fait. Donc c'est vraiment un tout petit bout du ciel. Et avec cette photo, on a mesuré la distance de chaque galaxie. Et grâce à ça, on peut réaliser ce film où on resitue chaque galaxie en trois dimensions dans l'espace. Et on peut voyager, en découpant les petites vignettes, on peut voyager à travers ces populations de galaxies. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au début, il y a des galaxies assez grosses, c'est les galaxies qui sont autour de nous. Et plus on avance, plus les galaxies deviennent un petit peu bizarres, un petit peu difformes, et puis graduellement de plus en plus petites. Donc là, c'est vraiment un voyage réel, hein, puisque c'est des vraies photos de galaxies. Dans le passé, on remonte vraiment l'histoire de l'univers, et on voit qu'il y a 13 milliards d'années, les galaxies ressemblaient à ça, donc c'était des petits machins, où il n'y avait que quelques étoiles. Donc ce genre de photos est très, 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 très précieux pour les astronomes, évidemment. Mais comme je l'ai dit, ça coûte quand même très, très cher à faire, et c'est un tout petit bout du ciel. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas représentatif de l'ensemble du ciel. C'est peut-être un cas particulier qu'on voit ici. Peut-être que si on regardait un autre bout du ciel à l'opposé, ça serait complètement différent. On n'en sait rien. Alors il y a encore une autre méthode. Bon, si vous êtes courageux, je vais vous parler. Pour essayer de justement retracer cette histoire des galaxies. C'est une méthode un peu plus indirecte que celle que je vous ai montrée avec le film. C'est d'essayer de faire un modèle qui devine, en quelque sorte... la distance des galaxies, c'est un petit peu ça. Donc l'idée, c'est de faire une photo du ciel, on part toujours de la photo, et au lieu de chercher à connaître la distance de chaque galaxie, on va simplement compter les galaxies. Alors on compte les galaxies en comptant d'abord les brillantes, et puis ensuite les moins brillantes, et puis ensuite les moins brillantes, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compte par brillance apparente, et on essaye de remonter à la brillance intrinsèque, à la luminosité des galaxies, pour essayer de connaître leur distance. C'est un petit peu ça l'idée. Donc l'idée, c'est que si vous avez une étoile ou une galaxie qui est ici, et que vous êtes proche de cette galaxie, la fraction de lumière qui arrive dans votre œil, elle est grande, puisque l'angle ici, qui est représenté en orange, est grand par rapport à tout le tour de la... par rapport à 360 degrés au tour complet. Alors que si vous êtes très loin, pour le même œil, l'angle ici dans lequel la lumière arrive dans votre œil est beaucoup plus petit, donc vous ne voyez qu'une petite fraction de la lumière émise par la lumière. C'est pour ça que l'objet ici, lointain, est perçu de façon plus faible, il est moins brillant. C'est la même idée que si vous entendez quelqu'un parler de très très loin, vous l'entendez moins bien que quelqu'un qui est juste proche de vous, simplement parce que la distance est très éloignée. Donc on va utiliser cet effet-là pour comprendre où sont les galaxies dans l'univers. Alors, je vais vous faire un exemple pratique de comptage de galaxies. Alors, vous avez vu des simulations de galaxies, des images de galaxies. Est-ce que c'est des galaxies, à votre avis, ça? Ça ressemble, ça pourrait. C'est pas très joli. En fait, c'est une image en inverse vidéo que j'ai prise d'une photo de flocons de neige. Donc, c'est pas du tout des galaxies.
Mais c'est quand même intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce qu'on voit sur cette photo, c'est qu'il y a des flocons de neige qui sont très gros, et il y a des flocons de neige qui sont beaucoup plus petits, qui sont beaucoup plus nombreux. On peut faire l'hypothèse que la neige, sur cette photo, ici, c'est juste devant l'objectif, c'était peut-être 10 cm devant l'objectif, et on voit également la neige qui est très très loin, qui est, à, mettons, à 20 mètres, où là, le champ de vue est de 20 mètres. C'est vraiment un champ de vue beaucoup plus large. Donc il y a vraiment une similitude entre les relevés de galaxies et cette photo, finalement, où on voit des objets proches qui sont assez gros, en moyenne, mais il peut y avoir aussi des flocons qui sont petits et proches, ça n'empêche pas. Mais en moyenne, tous les petits flocons qu'on voit sont en général très loin, et il y en a beaucoup. Simplement, il y en a beaucoup parce que l'espace qui est loin de nous est beaucoup plus grand dans la photo. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Voilà. Alors, cette fois, on revient aux galaxies quand même, soyons sérieux. Voilà une image de galaxie. Qu'est-ce qu'on fait? On trace un diagramme où on regarde le nombre de galaxies en fonction de leur taille, ou de leur brillance. On va simplifier en disant que c'est la taille, de leur luminosité. On va dire que c'est la taille. Donc, par exemple, on regarde combien il y a de grosses galaxies. Une galaxie. Est-ce que ça marche? Ça marche. Donc, je mets un point dans ce diagramme-là pour dire des galaxies grosses, j'en ai une. Combien j'ai de galaxies moyennes? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, je ne sais pas, compter comme ça. 6 moyennes, donc je mets 6 galaxies moyennes ici. Puis je peux continuer avec des galaxies plus petites. C'est normal que j'en ai beaucoup, parce que c'est sur un volume beaucoup plus grand, vu que c'est des galaxies très lointaines, et des galaxies voire minuscules, mais alors là, ça devient difficile de les compter, parce qu'il y a un bruit dans l'image et qu'on ne peut pas forcément les distinguer. Donc on arrive avec ce genre de diagramme, qui est un diagramme de comptage de galaxies. Et ce qu'on voit, c'est que on peut faire passer une droite par ça, donc on peut se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En fait, c'est normal que ça fasse une droite, à peu près, simplement à cause de l'effet géométrique qui fait que quand on s'éloigne, le volume augmente beaucoup. Et aussi, la luminosité diminue, comme je vous l'ai dit, comme pour le son. Donc c'est un petit peu normal. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait assez récemment, c'est de regarder... Donc l'objectif de tout ça, de ces comptages, c'est de regarder quand a eu lieu la formation d'étoiles, je vous rappelle. Donc pour ça, il faut regarder une photo particulière qui est prise en fait dans l'infrarouge. Alors cette photo-là, elle est un petit peu moins belle que les précédentes, mais c'est le même champ du télescope Hubble, c'est les mêmes galaxies. Simplement, au lieu de les voir dans la lumière visible, elles sont vues dans la lumière infrarouge. Et pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que cette lumière infrarouge, elle est émise par les poussières qui sont chauffées par les étoiles très chaudes dans les galaxies. Et donc, en regardant la luminosité de ces objets, de façon presque directe, on voit combien il y a d'étoiles très jeunes dans ces galaxies. Donc, quel est le taux de formation d'étoiles chaque année qui se forment dans les galaxies? Donc, on voit vraiment en direct, avec l'infrarouge, l'activité de formation d'étoiles dans les galaxies. Alors, c'est là que c'est intéressant de les compter. Donc là, ça devient un petit peu technique, hein, vous m'excuserez. Mais si vous arrivez à suivre, c'est bien. Là, vous avez un diagramme, vraiment publié dans un papier récent, des comptages de galaxies. Alors, vous avez des points observationnels. Et ce qui est représenté, c'est en fonction du flux, donc de la brillance, le nombre de galaxies ici. Alors, vous allez me dire, ça ne ressemble pas du tout au comptage qu'on a fait tout à l'heure à la main. Ce n'est pas du tout la même forme. En fait, si. Ce qu'on a fait, c'est que simplement, artificiellement, on a considéré que ça, c'était pas intéressant que ce soit penché. On a tout rabattu horizontalement, juste pour que ce soit plus facile à lire. C'est peut-être pas plus parlant pour tout le monde, mais en tout cas, c'est souvent comme ça qu'on fait. Donc voilà, en fait, ça, donc la courbe qu'on voyait tout à l'heure, ça correspond en fait à ce trait pointillé ici, qu'on a juste rabattu. On a juste rabattu la courbe artificiellement. Donc ça, c'est la courbe qu'on avait mesurée tout à l'heure, ce à quoi on s'attend juste par des effets géométriques. Si l'univers est homogène, s'il n'y a pas d'expansion de l'univers, et s'il n'y a pas d'évolution dans les galaxies. Vous voyez déjà qu'il y a une petite différence avec ce trait pointillé qui est théorique. Le problème, c'est que si on prend en compte l'expansion de l'univers, en plus, dans ce sens-là, cette courbe pointillée devient en fait la courbe en trait plein ici. Donc ça ne s'arrange pas du tout.
Le très-plein, c'est ce à quoi on s'attend s'il n'y a pas d'évolution dans les galaxies, mais en prenant en compte l'évolution, enfin l'expansion de l'univers. Donc au final, ce qu'on observe, c'est un gros décalage entre cette courbe grisée, là, qui résume toutes les observations, et un modèle hyper simple où les galaxies n'évoluent pas du tout. Donc ce que montre ce décalage entre ces deux courbes, c'est vraiment que la formation d'étoiles a changé pendant l'histoire de l'univers, au sein des galaxies. Alors si on essaie de modéliser ça de façon un petit peu maligne, on arrive à remonter à vraiment l'histoire de formation d'étoiles dans l'univers. Donc c'est ce que montre ce diagramme, qui montre, en fonction du décalage spectral, alors ça s'appelle redshift en anglais, on peut voir ça aussi comme la distance des galaxies, ou autrement dit, on remonte dans le passé quand on va vers la droite. Ici, on est au présent, c'est les galaxies qui sont proches de nous. Ici, c'est telles qu'elles étaient il y a 10 milliards d'années à peu près. Donc on voit vraiment, et ici, sur cet axe-là, c'est le taux de formation d'étoiles dans les galaxies, dans toutes les galaxies. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ici, on est plutôt bas. Il n'y a pas beaucoup de formation d'étoiles dans les galaxies. Si on remonte dans le passé, en allant vers la droite, ce qu'on observe avec ce modèle qui reproduit les comptages de galaxies, c'est qu'il y a 5 à 10 milliards d'années, enfin plutôt 5, entre 5 et 10 milliards d'années, le taux de formation d'étoiles dans l'univers était globalement le maximum que l'univers ait jamais connu. C'est à cette époque-là, c'est il y a entre 5 et 10 milliards d'années que l'univers a connu le maximum de formation d'étoiles. Et depuis cette époque-là, il y a de moins en moins de formation d'étoiles dans l'univers. Les galaxies deviennent un petit peu paresseuses. Alors après, on peut essayer d'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de gaz disponible pour former des étoiles? Est-ce que c'est parce qu'il y a des noyaux actifs qui empêchent la formation d'étoiles? Il y a plein de possibilités. Ce n'est pas encore tranché, mais en tout cas, ici, on a une description assez robuste de ce qu'était l'histoire de l'univers. Et à partir de là, on peut travailler. Alors, à venir, donc, comme je vous le disais, il faut un modèle quand même, ensuite, pour expliquer cette évolution. Et ce modèle devrait expliquer à la fois les couleurs des galaxies, la morphologie, la forme des galaxies, le taux d'interaction qu'on observe, la répartition des galaxies en taille, en masse, etc. Ça fait beaucoup de choses, et tout ça en fonction du temps. Donc c'est pas vraiment facile. Ne serait-ce que décrire tout ça, décrire les observations qu'on a, c'est pas facile. Faire un modèle qui explique tout ça, c'est encore moins facile, évidemment. Et il y a encore du travail, comme vous vous en doutez. Voilà, alors pour conclure, je vais finir par quelques similitudes entre, je reviens à mon idée de départ, entre sociologie et études des galaxies. Juste maintenant que vous avez vu un aperçu de tout ce que c'était l'étude des galaxies. Donc finalement, la démarche, elle est à peu près la même. Par exemple, si un sociologue s'intéresse à pourquoi est-ce que... quel est l'impact de posséder la télévision sur les contacts sociaux d'une personne, bon, ça peut être une question comme une autre, il faut quand même établir des hypothèses. C'est vraiment une démarche scientifique. Avoir des observations, donc voilà, d'une façon ou d'une autre, les analyser de façon statistique ou pas, et aboutir à des conclusions. Donc la démarche est vraiment la même. Et finalement, les paramètres qu'on utilise dans ces modélisations, dans ces modèles, sont assez similaires, finalement, pour les galaxies et pour les hommes. Dans tous les cas, il y a l'âge. Bon. La richesse, on peut voir ça comme la masse des galaxies. Les catégories socio-professionnelles, bon, après, ça se discute. Hein, c'est... le type morphologique, ou bon... le lieu d'habitation des hommes, bon, il y a l'environnement des galaxies quand même, c'est vraiment spatial tout ça, c'est dans l'espace. Les cohortes d'individus, donc en sociologie, c'est une population d'individus nés au même âge. Il y a aussi la même notion pour les populations d'étoiles ou de galaxies nées au même âge. Donc, voilà. Sur les outils, alors les outils sont évidemment pas tout à fait les mêmes, mais il y a des parallèles à faire. En sociologie, on fait des questionnaires plutôt, alors que nous, on a des images, bon, mais c'est quand même des données. On peut faire des entretiens en sociologie. À ce moment-là, ça concerne plutôt une étude détaillée d'un individu. Alors pour ça, en astronomie, on peut faire un spectre qui décompose la lumière d'une galaxie entière, par exemple, à différentes longueurs d'onde. Mais surtout, ce qui m'a frappé en discutant avec mon épouse, justement, c'est les méthodes d'analyse qui sont vraiment très communes. Il y a des mathématiques dans les deux cas. Alors il y a une description dans le temps, dans l'espace. Il y a des densités de population. Il y a des fonctions dérivées, des mathématiques. Il y a des méthodes mathématiques qui sont communes, les décompositions en composantes principales, la théorie des groupes, etc.
Et parfois même, il y a des communications de méthodes d'une discipline à l'autre. Par exemple, le coefficient de Gini, c'est un outil qui est utilisé en économétrie, en économie. Donc c'est aussi une science lui-même, on va dire, proche de la sociologie, qui a été emprunté il y a une dizaine d'années par un astronome pour mesurer la forme des galaxies. Donc c'est un paramètre qui mesure l'inégalité des individus au sein d'une population. Est-ce qu'une population est tout à fait égale ou pas du tout égale? C'est mesuré par ce paramètre-là. Et on peut mesurer justement la forme des galaxies avec ce paramètre. Est-ce qu'une galaxie est tout à fait uniforme, son image, vraiment son image, est-ce qu'elle est uniforme à ce moment-là? On peut lui définir un coefficient de Gini. Ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment des régions de la galaxie qui sont très brillantes par rapport à d'autres, auquel cas la galaxie n'est pas du tout égalitaire, entre guillemets. Donc vraiment, il y a des outils qui peuvent être utilisés, qui peuvent voyager d'une discipline à l'autre. Et puis, évidemment, il y a des problèmes communs sur la définition des échantillons d'analyse. Comment on fait les sélections? Quelles sont les populations de référence? Il y a toujours des biais. Pour les galaxies, est-ce qu'on s'arrête à des échantillons qui sont délimités par le volume d'univers, par la brillance des galaxies, par la masse des galaxies, par plein de choses? Et il y a toujours le problème du biais de l'observateur, finalement. En fait, nous, on a la chance de pouvoir voir le ciel, mais on ne le voit que d'un point de vue. Un seul point de vue, c'est celui de la Terre, ou autour de la Terre. Donc on ne voit, on ne peut pas voir plus qu'un ciel entier d'univers. Il n'y a pas d'autre point de vue. Et ça, ça peut être un biais. C'est ce qu'on appelle la variance cosmique. Finalement, on n'a accès qu'à un endroit du ciel pour observer l'univers. Un endroit de l'univers pour l'observer. Ça peut être mis en parallèle avec le biais du sociologue, qui est en fait un individu, qui est lui-même effectivement, et personne d'autre, et qui est en interaction avec d'autres individus. Donc il y a aussi la question du point de vue et du biais de l'observateur. Et puis, dans les deux cas, bah, il faut aussi relier les points avec des modèles. Donc, en conclusion, donc j'espère vous avoir montré que la sociologie et l'astrophysique partagent pas mal de choses sur la démarche. Dans les deux cas, c'est une science. Il y a des études de population, il y a des méthodes communes, à la fois statistiques et mathématiques. Et après, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce que justement c'est presque similaire alors que c'est des choses a priori complètement différentes. Je vois comme chose commune qu'il y a des interactions entre les individus, et puis il y a la vie dans les deux cas. Les galaxies évoluent et elles ont aussi une vie, donc c'est peut-être la réponse. Voilà. Je vous remercie. Merci Damien. Donc, les questions sont ouvertes. J'ai presque honte de poser cette question, mais une galaxie, c'est surtout fait de matière noire, si j'ai bien compris, beaucoup de gaz et un petit peu d'étoiles. Est-ce qu'il y a des galaxies sans étoiles? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend des galaxies, je vais dire, parce qu'effectivement, il y a très souvent beaucoup de matière noire dans les galaxies. Dans les galaxies proches de nous aujourd'hui, il y a souvent beaucoup plus d'étoiles que de gaz. Mais dans les galaxies primordiales, on va dire, qui existaient il y a longtemps, il y avait beaucoup plus de gaz que d'étoiles. Donc ça peut varier, effectivement. Et oui, c'est une bonne question. Savoir s'il y a des galaxies sans étoiles, alors c'est sans doute le cas. Elles sont difficiles à détecter, évidemment, puisque ça ne rayonne pas. Mais on peut imaginer qu'il y a des nuages de gaz dans l'univers qui n'ont pas encore, qui sont pas suffisamment lourds pour s'effondrer sur eux-mêmes et former des étoiles. Ça peut arriver. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est qu'au moment de la fusion de deux galaxies, il y ait des nuages de gaz qui étaient éjectés par effet simplement dynamique, qui étaient éjectés de l'environnement des deux galaxies et qui se promènent autour des deux galaxies sans étoiles à l'intérieur. Mais évidemment, ce n'est pas évident à mesurer. S'il n'y a pas de lumière pour éclairer les nuages de gaz, ce n'est pas facile. Merci. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre conférence. Je voudrais revenir sur cette notion d'expansion de l'univers. Il me semble qu'il conviendrait de bien définir ce qu'est l'univers dans ce cas-là. Parce que lorsqu'on considère la société des galaxies, vous avez parlé de sociologie,
pour la partie qu'on peut observer, qu'on peut analyser, si cet ensemble est en expansion, c'est qu'il lui faut a priori un volume qui accepte cette expansion. Donc il me semble qu'on peut considérer cette société des galaxies comme un contenu. Et s'il y a un contenu, c'est qu'il y a un contenant. Donc je me permets de vous poser la question, si, de savoir si on s'est penché bien sûr sur le contenu, puisque c'est l'objet de toutes les démarches scientifiques et de l'astrophysique donc. Est-ce qu'on s'est penché également sur le contenant, et est-ce qu'on peut dire que c'est le contenu qui est en expansion, ou le contenant, ou les deux, et dans quelle mesure? Merci. Je vous en prie. Alors effectivement, là, ça touche plus à la cosmologie, donc je ne suis pas vraiment spécialiste de ça, mais je peux quand même vous répondre. Je ne suis pas sûr que la question du contenant soit totalement pertinente dans le cas de l'univers, justement. Alors, les théories peuvent se discuter, évidemment, mais la façon dont on peut voir les choses, à mon avis, c'est que c'est la structure même de l'univers qui est en expansion. Il n'y a rien autour de l'univers. En tout cas, il n'y a rien en trois dimensions autour de l'univers. Alors voilà, donc c'est pas évident à comprendre, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que éventuellement, ces trois dimensions de l'univers seraient en expansion au sein d'une quatrième dimension qui n'est pas accessible à nous. Donc là, ça devient un modèle, puisqu'on n'a pas d'observation directe qui permet de voir ça. Mais du point de vue des galaxies, les galaxies sont vraiment situées dans un espace à trois dimensions, qui est bien défini. On observe que les galaxies s'éloignent les unes des autres, effectivement. Et on attribue ça à l'expansion de l'univers, à l'expansion de la structure même de l'univers, des trois dimensions de la structure de l'univers, au sein éventuellement d'un univers à plus de dimensions que ça. Maintenant, les mouvements des galaxies entre elles, effectivement, se résument pas uniquement à l'expansion de l'univers. C'est pas simplement à cause de l'expansion de l'univers que les galaxies bougent. Quand deux galaxies sont très proches, il y a la force gravitationnelle qui agit entre elles pour dévier leur trajectoire. Donc, pour répondre à votre question, la population des galaxies est à la fois influencée par l'expansion de l'univers en tant que telle, mais là, ça vient de la cosmologie, et par la gravitation, où là, c'est vraiment de la physique qu'on connaît beaucoup mieux, en tout cas. Je pourrais dire. La courbe de taux de formation d'étoiles que vous avez montrée est très intéressante et très pessimiste, en fait, parce que vous dites qu'à notre époque, la formation, le taux est très bas. Quand on est très bas, on peut aller encore plus bas. Ça veut dire que c'est la mort de l'univers dans quelques milliards d'années ou quoi? Ah oui, sans doute. Oui. Sans doute. Quand il y aura plus de gaz. Bon, alors on va saouler ce soir. Alors c'est pas dans quelques milliards d'années, ça sera sans doute dans quelques dizaines ou voire centaines de milliards d'années. Donc on a un petit peu le temps. Mais effectivement, au bout d'un moment, il n'y aura plus du tout de carburant pour fabriquer des étoiles et il n'y aura plus de gaz disponible pour former des étoiles. Toutes les étoiles seront sous forme de petits résidus. Et les galaxies, en particulier aussi à cause de l'expansion de l'univers qui est en phase d'accélération, les galaxies s'éloignent les unes des autres, donc il y a de moins en moins de chances que les galaxies interagissent entre elles pour former des étoiles, pour provoquer de la formation d'étoiles. Donc ça, c'est aussi une... Mais probablement que la courbe va se prolonger. Voilà. Mais c'est pire que ça, excuse-moi Damien, parce qu'il y a quand même, l'énergie noire qui pousse, et il y a ce fameux Big Rip dont on parle encore, qui fait partie qui est une des nuances du modèle du Big Bang, et qui prédit lui au contraire que tout s'emballe et que finalement les galaxies ne se verront même plus. Et que voilà, et même peut-être même les atomes seront déchirés entre eux. Alors là. Bref. Donc ça veut dire moins de 20 milliards d'années hein, dans ce cas-là. Merci de cette vision sociologique. Et sociologiquement parlant, qu'en est-il des amas de galaxies et des super-amas? Alors effectivement, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui.
Donc j'ai montré au début en présentation un amas de galaxies où il y avait le quintet de Stéphane, c'est plusieurs galaxies en interaction. Il y a des super amas qui sont encore beaucoup plus gros que ça, en particulier où il y a des centaines de galaxies. Et souvent, il y a une grosse galaxie centrale. Et plus on s'éloigne du centre, en moyenne, plus les galaxies sont de taille modeste. Et ces galaxies sont effectivement toutes en interaction entre elles. Elles sont reliées entre elles par un puits de potentiel, en fait, de potentiel gravitationnel. C'est la force gravitationnelle qui tient toutes ces galaxies entre elles. Donc là, on peut effectivement parler aussi de sociologie, évidemment, à l'intérieur. On peut même faire le parallèle en disant que les plus grosses et les plus fortes se mettent au milieu, et puis les petites partent sur les côtés. Mais bon, c'est peut-être un petit peu... Alors, j'ai deux questions ici. Une là, je ne vois pas trop ce qui se passe là-bas, n'hésitez pas. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé. À l'opposé de la question qui vous a été posée tout à l'heure, existe-t-il des étoiles sans galaxies? C'est-à-dire, je pense à des étoiles orphelines, peut-être qui ont été éjectées de leur galaxie primitive. Merci. Alors, oui, c'est une bonne question. Encore une fois, sans doute. Il faut voir qu'une galaxie isolée dans l'espace, ce n'est pas facile à voir toute seule. Il faut vraiment... Les galaxies, on les voit parce que c'est un ensemble d'étoiles qui sont proches les unes des autres et qui, globalement, forment un objet qui est repérable dans le ciel. Après, on peut zoomer sur cette galaxie pour voir les étoiles individuellement à l'intérieur des galaxies. C'est pas un problème. Maintenant, si on veut repérer dans le ciel une étoile toute seule qui n'appartiendrait pas à une galaxie, qui serait loin de toute galaxie, ça serait pas évident parce qu'il faudrait savoir où elle est à l'avance. Et le deuxième problème qui se pose, c'est que quand on fait une image du ciel, là, je vous l'ai peut-être pas vu, quand on fait une image du ciel, très souvent, il y a une bonne fraction, peut-être 10 à 15% des objets qu'on voit qui sont des étoiles de notre galaxie à nous. Évidemment, il y a des étoiles dans le ciel, hein, c'est tout. Donc même si on choisit une région où il n'y a pas beaucoup d'étoiles, qui est loin du disque de la Voie lactée, il y a toujours des étoiles d'avant-plan dans le ciel. Donc ce qu'on fait quand on traite des images astronomiques comme ça, c'est qu'on essaie de détecter les galaxies, qui sont effectivement des objets qui ne sont pas ponctuels, qui ne sont pas sous forme de points. Et les objets qui sont sous forme de points, on a tendance à dire ça doit être des étoiles de notre galaxie, donc on ne s'y intéresse pas, quoi. Donc effectivement, distinguer une étoile qui serait isolée entre deux galaxies d'une étoile de notre galaxie qui serait en avant-plan, ce n'est pas très facile non plus. Ceci dit, théoriquement, c'est possible, puisque quand il y a une fusion de deux galaxies, il y a des bras... Des bras de marée, des bras... Il y a de l'éjection de matière, en fait, les galaxies se mélangent un petit peu, si vous voulez, mais il y a quand même des particules et du gaz et des étoiles qui sont éjectées des deux galaxies. Donc, en principe, oui, je pense qu'il y a des étoiles qui sont entre des galaxies, mais c'est difficile de les détecter, je pense. Une question sur la durée de vie des galaxies. On arrive à calculer la durée de vie d'une étoile en fonction de sa masse, sa couleur, etc. Là, on a des images de galaxies qui ont des couleurs. J'imagine que c'est la couleur peut-être des étoiles dominantes, je ne sais pas. À quoi correspond cette couleur? Et est-ce qu'à partir de ça, on peut essayer de calculer des durées de vie probables de galaxies? Et une dernière question, quelque chose qui m'a surpris dans ce que vous avez présenté sur les galaxies les plus lointaines. Donc par définition, elles sont les plus jeunes. Et elles étaient toutes dans le rouge, ce qui correspond, a priori, à la couleur des objets les plus anciens. Donc, je n'ai pas très bien compris. Alors, effectivement. Donc, pour la première question, effectivement, les galaxies, on les voit de différentes couleurs. On voit globalement, il y a des rouges, des bleus, etc. Si on regarde bien les images, on voit qu'au sein d'une galaxie, il y a des régions bleues, des régions rouges. Ce n'est pas une image homogène. Alors, effectivement, les couleurs viennent des couleurs des étoiles. Quand on regarde la galaxie de loin, on voit les lumières d'étoiles qui se mélangent, en fait. Donc la lumière d'une galaxie que vous voyez là-dedans, c'est en fait le mélange de toutes les étoiles que contient cette galaxie. En fait, alors les modèles de formation de galaxies prédisent que toutes les étoiles d'une galaxie ne se forment pas en même temps, en général. C'est des populations d'étoiles qui naissent les unes après les autres, au sein des épisodes de formation d'étoiles. Et de ce fait, il y a, à un instant donné, il y a toujours des galaxies jeunes des étoiles jeunes et des étoiles vieilles au sein d'une galaxie. Donc il y a toujours des étoiles bleues et des étoiles rouges. Donc effectivement,
la couleur globale d'une galaxie, c'est un mélange de tout ça. Alors pour essayer de démêler ça, on peut faire prendre un spectre, ce qu'on appelle un spectre, donc décomposer la lumière, essayer de démêler, en connaissant les spectres de chaque étoile, essayer de démêler le spectre total de la galaxie pour compter les étoiles de différents âges au sein de la galaxie, et de ce fait, mesurer un âge moyen. Alors on peut au moins mesurer un âge moyen d'une galaxie, ça serait l'âge moyen des étoiles. Après, mesurer vraiment l'histoire de formation d'étoiles dans une galaxie, la répartition des âges des étoiles, c'est plus difficile, ça peut se faire un petit peu dans une certaine mesure, mais c'est plus délicat. Et pour la deuxième question, oui, effectivement, j'ai pas du tout dit ça, je pense, c'est que la plupart des galaxies... Alors, ça se voit peut-être pas là-dessus. Quand on a une image du ciel profond, la plupart des galaxies qui sont en arrière-plan sont rouges. J'ai également dit qu'elles étaient plus jeunes, c'est vrai. C'est paradoxal. En fait, les galaxies qui sont en arrière, ici, alors parfois, comme je vous le disais, il y a des étoiles qui sont rouges. Les petits points que vous voyez, des fois, c'est des étoiles de notre galaxie à nous. Mais quand même, une bonne fraction des objets rouges qui sont des petits points ici, c'est des galaxies qui sont très loin. Alors, elles ne sont pas rouges parce qu'elles sont vieilles, justement, elles étaient bleues. Elles sont bleues, intrinsèquement. On les voit rouges à cause de l'expansion de l'univers. À cause du redshift, voilà. À cause du fait que ces galaxies lointaines s'éloignent très vite de nous, à cause de l'expansion de l'univers, et comme elles s'éloignent très vite de nous, leur lumière est décalée vers le rouge. Un petit peu comme quand il y a une ambulance qui s'éloigne de nous, le son devient de plus en plus grave. Là, c'est la même chose avec la lumière, les lumières deviennent de plus en plus rouges. Donc, effectivement, on les voit rouges, mais intrinsèquement, elles sont bleues. Donc, c'est un effet d'expansion de l'univers. Bon. Les ambulances s'éloignent jamais de nous. Hein. Oui, merci pour votre exposé. En fait, la question que je voulais poser rejoint un peu la deuxième partie de la question précédente. Effectivement, quand j'entends quelqu'un qui me parle doucement, près et loin, fort, je les entends aussi bien. Pourtant, implicitement, je sais qu'il y en a un loin et un près. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi, quand on voit une lumière rouge, on peut déduire que c'est qu'un objet lointain avec un redshift important et pas quelque chose de près, un peu plus froid. C'est juste comment on fait pour savoir qu'il y a du redshift sur un rayon lumineux ou pas. C'est une très bonne question. Il y a un moyen. Ils sont très bons. Ils sont forts. Alors effectivement, si on voit qu'une photo comme ça, c'est pas évident de le dire. Ce qu'on peut faire pour répondre à cette question, c'est prendre plusieurs photos avec différents filtres. Là, par exemple, c'est une photo rouge, vert, bleu, où on a mélangé des filtres rouge, vert et bleu. C'est un mélange, en fait, comme dans votre télé, il y a des pixels bleu, vert, rouge qui se mélangent et qui font une couleur. Un peu la même chose ici. Ce qu'on peut faire pour essayer de savoir si une galaxie rouge est effectivement une vraie galaxie rouge proche ou une galaxie rouge qui, en fait, est bleue mais lointaine, voilà, c'est la question. Ce qu'on peut faire, c'est prendre des photos de cette galaxie à différentes longueurs d'onde, à beaucoup de longueurs d'onde, beaucoup de couleurs, donc du bleu, vert, rouge, etc. Mesurer le spectre total de cette galaxie, en fait. Mesurer l'intensité dans différents filtres. Et à partir de là, grâce à des modèles, justement sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, de synthèse spectrale, où on fabrique des spectres de galaxies, on a une bonne idée à quoi ressemble un spectre de galaxies, en fait, grâce à des modèles. On peut comparer ces modèles à ces observations en fait, dans différentes longueurs d'onde. Et il y a certains modèles qui vont bien marcher en disant c'est une galaxie qui en fait est vraiment bleue mais qui est rougie et qui est donc loin. Mais ça ne peut pas être une galaxie qui est intrinsèquement rouge, parce que dans le mot rouge, en fait, c'est trompeur, parce que quand on dit rouge, on pense que c'est une seule valeur de rouge. Mais si on prend plusieurs filtres, on peut définir rouge de plusieurs façons. C'est ça la subtilité. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est que là on ne voit qu'un rouge, effectivement, mais si on cherche bien, on peut voir différentes nuances du rouge. Et avec ces nuances de rouge, on peut savoir si c'est vraiment une galaxie lointaine ou une galaxie proche. Encore une question là, oui. Bonjour. Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu les apports de la sociologie, que la sociologie pourra apporter à l'astrophysique. Pour un sociologue qui n'aurait pas de connaissances en physique, est-ce que l'étude sociologique que vous nous avez présentée, ça pourrait lui permettre d'affirmer ou d'infirmer la présence de matière noire
Parce que là, si vous voulez, la matière noire, maintenant, on sait qu'elle existe, donc on la recherche. Mais pour un sociologue qui ne connaîtrait pas ça, est-ce que cette étude sociologique pourrait lui permettre d'en exprimer peut-être la présence ou l'existence ? Alors, ce n'est pas vraiment une étude sociologique que j'ai fait là non plus, hein, je ne vais pas du tout m'avancer. Là où il y a peut-être un vague malentendu, c'est qu'effectivement, c'est des sciences qui sont finalement assez différentes, dans le sens où le langage n'est pas le même. En particulier, donc j'ai essayé de mettre l'accent sur le fait que la sociologie a essayé de quantifier les choses de façon la plus précise possible. La sociologie n'est pas la physique pour autant. D'accord ? Donc un sociologue ne sait pas forcément ce qu'est la matière noire. Donc de là à affirmer ou infirmer l'existence de la matière noire par un sociologue, ça me paraît un petit peu audacieux. Mais donc, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est un parallèle entre les approches des deux disciplines. Mais je ne pense pas qu'un sociologue puisse dire des choses concluantes sur l'astronomie et réciproquement. D'accord ? Moi-même, je ne pourrais rien dire de concluant sur la sociologie. Donc, et ce que je voulais dire, c'est que les langages sont assez différents. On a l'impression qu'un astronome peut dire des choses pertinentes sur la sociologie, parce que finalement, c'est un langage qui maîtrise assez bien. C'est finalement n'importe qui a l'impression de pouvoir dire des choses sur la société, ce qui n'est pas totalement faux, mais peut-être pas avec les bonnes méthodes et peut-être pas sans biais, etc. Donc un astronome peut faire de la sociologie, mais ça sera sans doute de la très mauvaise sociologie. Un sociologue, c'est beaucoup plus difficile de faire de l'astrophysique parce que c'est un objet qu'il ne connaît pas du tout. Il étudie d'habitude les hommes, alors que là, les galaxies... voilà, donc je ne pense pas que ce soit totalement transposable. Bien. Ah, encore une question. La dernière, toute dernière. Oui, merci beaucoup. On sait donc que les galaxies évoluent dans la matière noire. Grâce à la matière noire. Est-ce que la matière noire pourrait être répandue de façon homogène dans l'univers ? Et bon, est-ce que toutes les galaxies baigneraient de façon dans un milieu homogène, qui serait la matière noire ? Ou est-ce que la matière noire est répandue uniquement autour des galaxies ? Alors, effectivement, la matière noire, je ne l'ai pas dit, mais c'est une matière qui est a priori sans interaction avec la matière qu'on appelle baryonique, la matière normale. Donc il n'y a pas d'interaction entre la matière noire et la matière normale. Et la matière noire n'interagit pas non plus avec elle-même, sauf sous forme gravitationnelle. Voilà. Donc effectivement, on peut penser qu'il y a une espèce de découplage entre la matière noire et la matière normale, baryonique. Il se trouve que vraisemblablement non. Quand, par exemple, on regarde les effets de lentilles gravitationnelles, par exemple, c'est peut-être le plus pertinent, voilà. On voit ici qu'autour des amas de galaxies, donc ça c'est vraiment de la lumière visible qu'on voit, c'est de la vraie lumière, de la vraie matière, donc on voit des galaxies avec de la vraie matière, et on voit qu'il y a des arcs gravitationnels, des arcs de galaxies qui sont en arrière-plan, qui sont déformés par la masse qui est ici. Avec la forme de ces arcs-là, la déformation de cette lumière, on peut mesurer la masse dans cet amas, et conclure à la présence de matière noire, et même à la géométrie de la matière noire. On peut dire qu'il y en a plus ici que ici, par exemple. Donc on peut effectivement, de façon vraiment presque directe, localiser la matière noire dans certaines observations ici. Donc on voit effectivement que la matière noire suit à peu près quand même la matière normale, à grande échelle en tout cas. Et c'est encore plus vrai quand on regarde les simulations numériques, où on fait évoluer de façon... je ne sais pas si je vais retrouver... Voilà, on fait évoluer de façon simultanée la matière noire et la matière normale, où on voit que ces deux types de matières se structurent de la même façon, de façon à former des filaments, des amas au même endroit, en fait. Bon, il y a des petites nuances, hein, si on regarde bien dans le détail, c'est pas exactement au même endroit, mais vu de loin, c'est presque... Alors, oui, probablement. Alors, c'est vrai que la question de l'interaction entre la matière noire sous forme gravitationnelle et la matière normale est importante. Effectivement, d'un point de vue dynamique, les galaxies sont plus influencées par les nuages à grande échelle, en tout cas, par les halos de matière noire que par la matière normale des galaxies qui sont autour d'elles. Sauf si, effectivement, c'est des galaxies en train de fusionner, où là, effectivement, c'est des distances qui sont suffisamment petites pour que la matière noire qui serait partie à plus grande échelle, un petit peu plus grande échelle, influe moins sur la dynamique précise des galaxies. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est un jeu assez subtil entre les deux types de matières. Bien, merci. Merci encore, Damien. Merci beaucoup.